Concernant ce jeune utilisateur des réseaux sociaux, je vous dis que ce n'est pas la première fois que les services de l'État interpellent quelqu'un qui s'est exhibé avec des liasses de biais. Ce n'est pas nouveau. Donc il ne faut pas lier ça forcément à notre volonté de satisfaire les exigences du GAFI. C'est des choses qui se sont déjà faites. On a même un élu qui a connu aussi donc une interpellation, il a justifié les ressources et puis donc il n'a pas été inquiété plus que cela. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux que cela se sache. Nous avons un État qui fonctionne. Nous avons des mécanismes qui fonctionnent. Et l'État réagit chaque fois qu'il y a eu des situations de ce genre. Peut-être que le contexte fait que la situation de cet utilisateur de réseaux sociaux prend une proportion différente. Mais pour nous qui suivons les actions de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, le procureur a fait un communiqué. Vous me connaissez. Une fois que les affaires sont en instruction, je ne les commande plus. Le droit va travailler. La justice fera son travail et il sera soumis à la rigueur de la loi si tant est-il qu'il a commis un délit. Hier, j'étais dans le vol. Hier, j'étais dans le vol, Lionel PCS. Oh, la musique. Ouf. Oh non, j'adore cette musique, Lionel. Hier, comme je te disais, j'étais dans le vol. Je quittais Libreville, Gabon. Et Lionel PCS, j'avais à côté de moi l'ambassadeur, l'ambassadrice du Gabon, une dame très très sympa qui était mais vraiment très aimable avec moi. Et puis, on parlait comme ça de la vie. Et puis, un moment, j'ai dormi un peu parce que j'étais fatiguée. Lionel, dans le sommeil, je t'ai vu. Et je t'ai vu où? Aux États-Unis. Et tu me disais comme ça dans le sommeil, dans mon rêve, tu sais, maman Amon Chik, là en ce moment, il y aura des élections aux États-Unis, mais il y a Kamala qui m'a contacté, qui veut que je passe aux États-Unis la voie demain. Mais comme c'est les élections, est-ce que je dois aller voir Kamala, qui est candidate aux élections présidentielles des États-Unis? J'ai dit, tu sais, Lionel PCS, il a été invité. C'est bien. Mais il faut te calmer un peu parce que la position géopolitique est un peu tendue. Donc attends un peu, après les élections, tu iras voir Kamala aux États-Unis. Donc Lionel PCS, après toi, après tes bagages, parce que dans quelques jours, tu vas aux États-Unis voir cette dame. Et ta vie va encore prendre une autre tournure.